Yo tout le monde, c'est Blizzard19, aujourd'hui on se retrouve pour un petit défi création d'équipe de championnat. Et là je veux pas vous proposer un truc lourd, hein, je vais juste vous proposer le plus faible que je n'ai pas encore fait. C'est la Dowry Jamel, j'espère que je la prononce comme ça, ou la je crois que c'est la Algi League, enfin voilà. Bref, à la fin on reçoit Alsoma 86 avec 20 000 crédits. Bon, il n'y a pas des packs énormes, hein, y a rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, c'était le moins cher des SBC, donc voilà, c'est sur Fitbin, il mettait 79 000 crédits, moi ça m'a coûté un peu moins cher, donc je vais vous dire les prix que j'ai pu faire. Alors le premier, Al-Ali, ce défi-là m'a coûté 6550 crédits. Alors je vais pas vous présenter chaque joueur, hein, vous regardez vite fait, voilà, hop. Après c'est Albatin, je sais pas comment ça se prononce, fallait une note de 61. Donc que des joueurs bronze. Hein. Cette équipe m'a coûté 4100 crédits. Donc c'est pas cher, hein, pour les. Enfin, en même temps vu la gueule de l'équipe, bon voilà. Ensuite Alfesali, je sais pas si ça se prononce comme ça, une note de 63. Ça m'a coûté 4800 crédits quand même. Hein. Hop. Ensuite Alpha T, une note de 62, ça m'a coûté 4000, ça m'a coûté 5600 crédits, dont un joueur qui était déjà dans mon club, je ne peux pas vous dire lequel parce que je m'en souviens plus, donc voilà, hop. Ensuite Alphaya, ah non mince, pardon, excusez-moi, c'est celui, cette équipe là où j'avais déjà un joueur dedans, c'est ce joueur là. Du coup j'étais en décalé je crois. 4800 le précédent, la précédente équipe. Celle là c'était 5600, voilà. Hop. Ensuite 5500 crédits le. Ah. Ensuite Al-Hilal m'a coûté 5500 crédits. Et il fallait une note de 70. Hop. Ensuite, dans la prochaine équipe, j'ai eu deux joueurs premier détenteur. C'est ce joueur-là, si je me souviens bien, oui, c'est ça, et ça. Donc au final, ça m'a coûté 3250 crédits, donc voilà, c'est pas du tout cher. Après, Al-Nasr, là, j'ai eu aussi un joueur qui était déjà dans mon club, c'était lui. Ça m'a coûté 5200 crédits, note de 67 qu'il fallait. Hop. Ensuite, la prochaine équipe, c'est. Elle était chère aussi comme la première. Elle m'a coûté 6500 crédits pour une note de 64. Hop. Ensuite, Al-Shabab. Celle-là m'a coûté 5550 crédits. Il fallait une note de 65. Ensuite, Altaoun. Là, j'avais aussi un joueur premier détenteur. Par contre, je ne sais pas du tout c'est lequel. Mais je sais que j'en avais un. Non, je sais plus du tout. Bon, ah si, c'est lui. C'est lui que j'avais en premier détenteur. Donc ça m'a coûté 5450 crédits. Donc voilà, c'est pas cher. Hein. Ensuite, Etifap. Fac, je sais pas comment ça se prononce. Cette équipe mala m'a coûté 4150 crédits. Et j'avais aussi un joueur premier détenteur. Pareil, je sais pas. Non, je sais pas c'est lequel. Non, il fallait une note de 62. 60. Oh, j'ai pas vu. Ensuite, l'avant-dernière équipe, au Odd Club. Alors, celle-là m'a coûté 4000. Celle-là m'a coûté 3800 crédits. Il fallait une note de. Ah, bah non, il fallait pas de note, pardon. Donc voilà, on peut mettre n'importe quel joueur, mais bon, j'avais pas fait gaffe à la note, si on avait une ou pas, donc j'ai fait. Au pif. Ensuite, le dernier, Quadicia. Ça m'a coûté 5600 crédits au total. Il fallait une note de 63.
Bon, ça m'a coûté un peu cher parce que j'ai acheté une tonne à 2000, alors j'aurais pu l'avoir à 500 en post-démossé, mais bon, c'est pas très grave. Donc au final, tous ces défis m'ont coûté 71 200 crédits. Donc bah là, j'ai déjà 20 000 de remboursés, ça fait plaisir. Franchement, il a une belle carte, hein, Alsoma. De toute façon, chaque année, il est en fin d'année ou vers le milieu d'année, il est cheaté, ce joueur. Même si c'est un petit championnat, hein, il est cheaté. Il a 80 partout, à part en défense. Voilà, c'est une carte cheatée. Il manque peut-être un petit peu de vitesse, mais sinon, il est cheaté. Hop, allez dans mon club. Comme ça, ce jour-là me servira pour la découverte du championnat arabe. Hop, on va ouvrir les 14 packs. Bon, je vous ferai un. Je vous prends mon tas, je mettrai pas ma voix. Hein, ça, en plus, c'est des packs de merde. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je crois que les joueurs de lit coûtent cher. Hein. Ouais. Il coûte 15k. Oh, c'est bien ça. Ah, c'est déjà juste ce joueur m'a remboursé une partie de mon truc. Déjà, j'avais 20 000. Là, ça fait 35 000. Je suis à moitié remboursé quand même déjà. Hein. C'est énorme. C'est vraiment une vidéo que je vous fais à l'arrache. Hein. Je sais pas si je referai un SBC. Oh putain, ah non. Je sais pas si je vous referai un SBC comme ça. Même si celui-là était à l'arrache. Bon voilà, on a le petit Asoma. On n'a pas été remboursé. Hein. On a, enfin si, allez, 35K. Et encore, j'ai pas mis le joueur de Lille en vente, je crois. Attendez. Non, il est pas en vente. Bah, je vais le mettre en vente. 20, il coûte 20 000. Bah non, en fait, j'ai 20, ouais, ça 40k. Le défi m'a coûté, m'a été remboursé de 40k. Donc ça va. Franchement, c'est pas dégueulasse. Donc voilà, je sais pas vraiment. Je sais pas si je vous referai un SBC parce que là, déjà en ligue, il y a un squad que j'ai pas fait. Il y a la moitié du Cavani. J'ai déjà fait un Jovinko. Ouais, le seul que je peux vous présenter, c'est Hamsik. Mais Hamsik, ça coûte plus de 300 000. Et moi là j'ai à peine 300 000 donc voilà, ça risque d'être juste pour le faire. Même si je crois qu'il y a des packs intéressants, on verra bien. Et après Jovinko, je peux vous le présenter aussi, hein, c'est pas parce que j'ai fait un défi que voilà. Mais Cavani, non, je peux pas vous le montrer. Donc bah voilà, on sera à moitié remboursé. Voilà, il y a rien à dire de plus. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Allez, salut tout le monde, c'est Mizazid9, ciao ciao.